je veux dire, tourment de. D'ado, enfin pas d'ado, mais de jeunes, machin, qui ont des problèmes de drogue, machin. Comment dire, les névroses dans la route, quoi. Du coup, on se bat forcément, ça me parle plus, quoi. Ouais, mais celui-là, sur les névroses dans la route, il est mieux. Hein. Ouais, ouais. Là, c'est plus un livre sur la sympa, du coup, désolé, si ça les névroses dans la route, c'est un peu du coup. Moi, j'aime rarement. Après ça voilà, ça mais, enfin, c'est partie de la vie commune des trentenaires des parisiens, oui. Voilà, enfin, les trentenaires à droite, machin, mais, est-ce que vous avez un coup alors que vous êtes pas à si, mais non, pourtant. C'est bizarre, parce que pourtant, c'était plutôt quand j'étais plus jeune, là, plus maintenant. Oui, alors, amour, vous avez senti parfois une distance, je veux dire, que vous avez des livres, justement, il n'y avait pas de distance. Non, non, non. Ça, moi, je sais ça. Oui. Moi, surtout, en fait, le style, j'aime bien. C'est plus ça que je connais, puisque. Intéressant. C'est très drôle quand même. J'avais une, je sais pas, une façon d'exprimer en temps je vais dire cru, hein, mais en temps généralement, vous voyez, en fait, dans la critique tout à l'heure, je pense que vous êtes cru, une classe. Donc, en fait, vous puissiez être les deux à la fois. Ouais, bah oui. Ouais, c'est. Oh, les critiques sont très. Je pense que ça vaut, parce qu'en France, c'est très. Ils ont beaucoup d'intérêt. Avec les maisons d'édition, ils sont là, ils ont leur rentrée, il faut que ce soit bien dit. Franchement, je leur accorde pas trop d'importance. Mais moi, j'ai l'impression que vous avez fait des choses avant, c'est avec le sport président. Bah ouais. Non, mais j'en joue jamais. J'ai vu. Moi, c'est plutôt. Soit le thème qui m'intéresse. Je vais le lire. Le thème va m'intéresser, ça vous savez la couverture. Et après, bah, si j'aime bien, je peux lire d'autres bouquins. Voilà quoi. Moi, j'avais lu ça quand il y a longtemps, ça, j'avais bien aimé le style et du coup j'ai eu envie de lire les autres. Mais ouais, ça me intriguait parce que c'est assez rare. Dans vos publications. Ouais, c'est vrai qu'on s'est mis entre les deux, il y a eu ça va du quoi. Ouais, bah des choses ce que j'avais eu un petit peu comment dire, survolé vite fait. C'est un peu dans le même genre que elle, non? Pas, non? Parce qu'il y a un peu ambiance névrose aussi haute, non? Ah ok. Non, si là je prends okay. Sur le côté, en fait, sur le côté, mais moi ça fait très plaisir. On va penser que c'est l'histoire de la vie de la personne, la vraie personne. Mais non, non, c'est juste des gens pour être sûr. Okay. Donc imaginez qu'en fait ce livre-là, c'est un chapitre dans cette histoire-là. Ok. Ça, j'ai une autobiographique en plus, ça. Oui, ça, c'est autobiographique. Ok, c'est ça. Il y a un peu de fou dans ça, en fait. Hein. Il y a... Toujours dans tous les romans, évidemment, mais... Oh, ouais. Personnelle et
une histoire que tu passes beaucoup plus intéressante, je pense. Donc fais-moi un regard pour plus. Et surtout, précisément à l'inverse de la situation de Paris, c'est une névrose. On est justement à l'inverse de ça, et c'est pour ça que je perçois très bien. Oui, oui. J'ai un peu une sorte d'objet de chronologie. Non, je suis désolé d'avoir ça, c'est vrai que c'est très réducteur quand même, hein, de faire de... Non, mais c'est un sujet de philosophie. Bien sûr, mais c'est pas... Non, mais c'est-à-dire... Perdu par le désespoir, par excès de possibilités,